Bonjour tout le monde, je suis Chobiti, on est en live et on va se faire du Dungeon Crawler. On va s'amuser un petit peu avec les petits persos qui sont disponibles. C'est parti! On va... Ah, il a pas pris ma manette. Il n'a pas pris ma manette. Je quitte le jeu, je le relance. Et malheureusement, j'ai branché ma manette après avoir lancé le jeu. Et il n'a pas pris ma manette. Et du coup, vous avez eu la petite cinématique. Bah non, il prend pas ma manette non plus. C'est quoi cette merde? Ah si, ça y est. Hop. On va prendre un petit perso. Allez, on va prendre Scrappy. Scrappy est le cousin étrange de Sœur Bonalotte. Il est obsédé par le métal. Probablement parce qu'il a grandi dans une casse. Alors, on aura notre deuxième pince qui sera toujours un aimant. Et on obtient un de force si on attrape au moins 5 éléments en métal à la fois. Hop, c'est parti pour notre petit lapin. Alors, le premier combat, on a des petits ennemis. On va se mettre un peu de bouclier. Et on va utiliser notre aimant. On fera pas assez malheureusement. Ils ont fait un petit peu mal, mais ça va. Je vais prendre ça par là. Oh, pas de chance. Je pensais pouvoir le finir. Bon, quelques petits dégâts. Ça va, ça va. Donc il va se booster. On va essayer de lui faire un peu mal. Je voulais juste l'épée en vrai. Hop. Donc pareil, hein, au début, on n'a jamais de soins. Donc ça reste toujours un petit peu compliqué, mais les combats sont pas forcément très durs au début. Un biscuit chinois, un bouclier ou un bâton de chance. Je vais relancer. Ah, une pince harpon. Ouais, je vais prendre une pince harpon. On va se marrer un petit peu. Alors. Un petit peu de bouclier, histoire d'être pas mal. Et la pince harpon, c'est du plastique, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est... Ah là là, ils nous ont fait mal, c'est méchant. Ah, pas mal, ça a mis toutes nos épées en tas. Pouvoir... Perdu. Non, non, la grosse épée qui est tombée de l'autre côté. Il faut un petit peu de bouclier. Dix, c'est
5 c'est pas suffisant, mais on va faire avec. Comme quoi, j'aurais peut-être dû prendre du soin plutôt que la pince que finalement j'essaie même pas d'attraper. Ça va faire 20. Ouais. Pas mal. Un trombone. Un bouclier en métal ou une épée courte. Mais je prends le bouclier en métal. C'est pas mal ça. Alors, l'atout magique. Qu'est-ce que tu nous donnes, cher atoumatique? J'ai pas de familier, donc l'herbe à chat m'intéresse pas. Bon, par contre, du coup, je vais prendre le voleur. Alors, cher Harley Quinn, que me proposes-tu? J'arriverai pas à attraper les gros coffres jaunes. Donc je vais me contenter d'essayer d'attraper deux coffres gris. Bah je vais prendre les deux, même si en vrai c'est pas ouf. En vrai c'est pas ouf. Je vais les prendre. Mais le fait que ça soit pas du métal, ça va peut-être nous mettre un petit peu dans la panade. Une seule potion de soin, c'est peut-être un petit peu limite, sachant que j'ai pas d'autres soins à côté. Alors, il va se booster, ok. Bon, j'ai essayé d'attraper la pince. Elle est restée coincée. Il est quand même aimanté le thermomètre. Il est aimanté le thermomètre. Il est en vert pourtant, il aurait pas dû. Il va nous faire 6 de dégâts, c'est pas énorme. Il a de l'épine, hein. Faut qu'on fasse attention à ça. Il a de l'épine, il a de l'épine. L'épine, ça nous fait des dégâts quand on l'attaque. Et la petite pince harpon, je vais essayer d'attraper la super épée. Ah, je voulais l'attraper toute seule, c'est pas hyper grave. Alors, il a de l'épine, toujours. Donc, on va essayer de se mettre un peu de défense. On va attaquer tranquillement. Et maintenant, on attaque. Tout simplement. Hop, il va nous attaquer. Toujours. En épine qui nous casse les cacahuètes, et bien évidemment plus le temps passe plus il se met d'épine, hein. Il est malin. Oh non, gros CP qui est tombé de l'autre côté. Alors je me suis pas mis assez d'armure du coup, bien évidemment, ça se fait trop facile.
Malheureusement, l'armure n'est pas conservée entre les tours, tant qu'on n'a pas l'objet qui le permet, en tout cas. Un thé pour Shmiti. Il nous faut un peu de défense. Malheureusement, tout va passer en épine. Ouais, c'est ce que je craignais. Donc, il nous faut beaucoup de défense. Et là, c'était pas forcément très malin parce que j'ai pris notre bouclier en métal avec la pince classique. Voilà. Alors, heureusement, c'était un petit mini-boss. Donc, on a déjà du soin pour toute notre vie. Et ensuite, on a le droit à une petite récompense. J'aime bien ça. Alors, venin contagieux, c'est top, mais pour l'instant, on n'a rien qui donne du poison. J'ai pas envie de relancer, hein, c'est quand même assez top. Je vais prendre ça. Est-ce que ça vaut le coup que je n'aille au broyeur? En vrai, j'aurais peut-être pas dû prendre le thermomètre et le bâton de chance. Je vais me laisser encore un combat ou deux pour voir comment on peut s'en sortir. C'est pareil, hein, la pince en harpon, c'est très marrant, mais c'est très gros à obtenir comme objet, donc c'est pas forcément hyper facile. Voilà, un ennemi de moins. Par contre, lui, il nous met des petits cadeaux qu'on n'aime pas. Surtout qu'on n'a toujours pas de soins contre ce poison. Pas de soins, pas d'antidote. Ok, ils vont nous attaquer. Enfin, nous attaquer. En l'occurrence, mettre des objets dans notre machine et nous mettre du debuff. Mais quoi exactement? Il va nous appliquer un malus, c'est tout ce qu'on sait. Le poison fait hyper mal, on va pas se mentir. Ah, puis forcément j'en rattrape un. J'ai pas de quoi le tuer. J'ai pas d'armure. On va douiller. Voilà, il est mort. Par contre, aïe. On va prendre le bouclier en métal. Et j'aurais peut-être dû prendre le soin après chaque combat, parce que là, ça pique. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Si on n'attrape qu'un seul objet avec une pince, il sera utilisé deux fois. Vu qu'on a notre aimant, ça risque pas d'arriver plus d'une fois sur deux. Je suis pas sûre que ça soit super intéressant. Par contre, augmenter notre aimant. J'espère que ça marche bien sur notre aimant. Et pas seulement sur les objets de type aimant. Si c'est que sur les objets de type aimant, on est un petit peu dans la mousse. Alors là, par contre, il nous faut de l'armure. Parce que ça va piquer fort. Non, l'armure est pas tombée. Aïe. Ouïe.
On manque pas assez d'armure. Et j'ai clairement pas assez de vie pour encaisser. Ben, ceci est un échec. On va recommencer, hein, tout simplement. On est reparti. Je bois une petite gorgée. Alors, il nous faut un petit peu de bouclier. Et il nous faut un petit peu d'attaque. Il nous faut un petit peu de bouclier. Et un petit peu de... de bouclier. Excusez-moi. Et de l'attaque, clairement. Ah, il reste un PV, quoi. Heureusement qu'on s'est mis de l'armure. Voilà. Ben, on a vu tout à l'heure dans la partie qu'on vient de perdre que un peu d'antidote c'était pas si mal. Donc on va en prendre. Alors ok, donc il se booste. Donc nous on va juste prendre de l'attaque. Ils vont nous attaquer, on devrait pouvoir tuer le premier mais pas le deuxième. Il va se défendre. L'armure. Qu'on en profite. Hein. Il est faible et vulnérable. Envoyons-lui toutes les épées dans la tronche. Alors, un deuxième antidote. Ou un grand bouclier. J'en ai qu'un de grand bouclier. On peut quand même prendre l'antidote. En vrai, une potion de soin, ça serait top. Parce qu'on a vu tout à l'heure que sans soin, on va pas très loin. Mais on fait aussi avec ce que le jeu nous donne. Alors. Oh, le tentacule doré. Hein. On va pas se poser la question, c'est hyper fort. Ça nous permet d'avoir plus de récompenses dans la salle de récompense. Même si l'épine est vraiment top aussi. Voilà. Notre petite salle de récompense avec notre pince tentaculaire. Et la pince tentaculaire, elle adore l'eau. Qu'on ramasse à peu près le double, sauf quand il y a des cochons qui se coincent comme des patates. Je rappelle que le jeu est encore en early access, hein, donc c'est normal qu'il y ait des petites choses, hein, notamment le fait que j'ai souvent des objets qui se coincent tout en haut ici. Est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais point, mais si c'est un bug, ça sera corrigé.
dans ta face. Alors, on fait attention cette fois-ci. Il s'est mis de l'épine. Donc, première chose à faire, se mettre du bouclier. Et deuxième chose à faire... J'ai à peine assez de bouclier là, je vais quand même me prendre des dégâts. Je m'en prends à cause de l'épine et je m'en prends à cause de lui. Rebelote, je me mets un peu de bouclier. Pas trop douillé. Et on tape. Je vais peut-être juste me mettre du bouclier, même si, ben, en fait, j'ai pas de bouclier en métal, donc en fait, non. Je pourrais passer mon tour, ce qui est pas forcément hyper intéressant. On se protège. Même si à chaque fois il booste bien comme il faut son épine. On va l'avoir à l'usure, mais il va nous avoir à l'usure aussi, c'est un peu le souci. Heureusement que l'humain est puissant, hein. J'ai bien cru qu'on allait rien ramasser. Ah. Qu'est-ce qu'on choisit comme récompense? Retirer le poison à la fin de notre tour, c'est sympa, sauf qu'on a déjà deux antidotes. Obtenir une relance gratuite lors de la sélection d'une récompense, c'est top aussi. Mais est-ce que c'est worth it par rapport à... Non, je vais prendre le vaccin. Je vais prendre le vaccin. Est-ce que je veux un biscuit chinois? Non. Ah, toi t'es bien, toi. Un miroir. J'aime assez. Alors, je suis toujours autant une quiche à ce truc-là. Ah, bien évidemment. Allez, saute dedans, Coco. Il y a ma thune qui s'enfuit, là, ma Coco. Je veux presque plus pouvoir jouer. Moi, le miroir. Oh, on a les mêmes effets, Chobiti. Hein. Oui, mais... Il prend pas toujours exactement le même chemin. Mais si tu le mets sur le bord, t'as quand même vachement plus de chances qu'il se barre sur le bord. Oui, mais je maîtrise pas le panier. Tu maîtrises là où tu mets ta pince. Oui. On va se protéger un petit coup. Lol. Quand je vous disais que parfois les objets se coincent là, et ben parfois les objets se coincent là. Le jeu n'a pas envie. Alors souvent ce qui se passe, c'est que si vous avez un peu de chance, votre pince d'après vous le débloque. Voilà. Hé, t'as fait grossir mon bouclier, je t'ai vu.
Aïe. Bouclier en métal, on va prendre. Alors j'ai vraiment très peu d'argent. La preuve, j'avais pas assez pour relancer tout à l'heure. Oh, c'est pas ouf. Bah, à la limite, je vais prendre pointilleux. C'est circonstanciel, mais ça fonctionne. Parce que pour l'instant, je joue pas trop sur les peluches avec lui, donc... On va avoir besoin d'un petit peu plus de boucliers, et si on pouvait faire du DPS en passant, ce serait bien, mais visiblement non. Aïe. Bah, je devrais pouvoir tuer le premier. Et avoir un peu de... Bouclier ou pas, hein, ou pas. Merci le jeu, merci. Non, ça pousse pas. Rajoute des peluches, rajoute-nous des peluches. Nous on aime les peluches. On va te taper, tout simplement. Oh non, il reste un PV. Salaud. Un trombone, ouais, pourquoi pas. Alors c'est pas ouf, hein, j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Donc, on va peut-être pouvoir. Ah oui, mais ah du coup j'ai pas d'eau dans celle-ci. J'ai la pince tentacule, mais j'ai pas l'eau. Ah c'est marrant ça. Enfin, non du coup mais. Petite deck qui est venue se rajouter. Alors, on va arriver sur les choses un petit peu moins marrantes. Donc, tout colle. On va se marrer. Ou pas, je le sens pas, je le sens pas. Ah, je suis mauvaise, je... Ouais. Ça, c'est pas mal. On va pas pouvoir faire assez, mais je vais quand même tenter. Au final, on a très peu d'attaques hein, dans notre deck. Hein. Il y a beaucoup de boucliers. Mais il y a très peu d'attaques. Oh, ce fail. GG chocho, ce fail. Tu vas douiller, chocho. Il va encore te rajouter des trucs. Rien qui m'arrange. Vous pouvez arrêter de... Ouais, c'est ce que je pensais, ça passe pas. Il va me rajouter du miel, plein de miel, du miel tout collant. Donc on va commencer à avoir des choses comme ça, monstrueuses, qui passent plus.
Ça sent le pâté, clairement, clairement. Clairement, surtout si j'arrive à rien. Et j'ai même pas un petit peu d'eau pour m'aider, quoi. Parce que contre la reine des abeilles, on a un petit peu d'eau qui arrive pour nous aider, mais là, c'est quand même un peu catastrophique. Ça va être à celui qui meurt le premier. C'est pas oufissime, là. Je peux vraiment pas le casser. Non, ça casse pas. J'ai quand même une épée qui s'est séparée du reste. LOL. Bon, ben on est mort. Ça va être chaud. Je vois pas comment m'en sortir. Là, clairement, je n'ai pas d'eau pour... Et je peux pas attraper la petite... Ah si, on va peut-être pouvoir la débloquer comme ça. Eh ben, on est mal foutu. Hein. Il nous reste un PV. Et ben, on va aller se soigner tout de suite. Hein. On va y mettre un petit peu plus de soins quand même. En 3 potions, c'est pas ouf. Va peut-être augmenter notre vie. Même si c'est toujours pas ouf. Alors, il va se booster. Il va nous... Alors, il s'est mis de l'armure persistante et il va augmenter son armure et il va essayer de nous taper à 19. Donc nous on va essayer de se protéger plus que... Sérieusement, mon bouclier qui tombe, mais c'est quoi cette malédiction? Alors, je précise, je suis sur le PC du signe. Je sais pas si c'est le PC qui a une malédiction ou pas, mais j'ai fait un run tout à l'heure sur mon propre PC, ça se passait très bien. C'est toi qui as pas voulu qu'on configure le live sur ton PC. Hein. Ah, du coup, il a déjà 26 d'armure, quoi. Mais je vais pas y arriver. Je vais crever comme une merde, là. Y a pas moyen. Bon. Mais j'ai eu aucun objet intéressant, quoi. J'ai pas eu les objets qui enlèvent de l'armure. J'ai pas eu de potion de soin. Bah oui, t'as pas eu d'objet en métal. Le truc des abeilles qui est hyper abusé, là. Bah, d'habitude, t'as un peu d'eau qui arrive, et là... 3 fois 19. Ah non, mais là, je suis foutu. Là, j'ai eu aucun combo qui est à côté. Là, je suis... Après, c'est un donjon crawler, hein, donc c'est le jeu, quoi. Mais j'avoue que là, ça pique. C'est pas grave, on va prendre un autre perso. On va crever comme une merde. Comme un gentil petit lapin. Voilà.
Et voilà, ça y est, c'est fini pour Scrappy, le lapin, écrasé. Écrasé à mort par un chevalier. Ouais, écrasé à mort par un chevalier. On va arrêter la VOD là, si vous voulez dire au revoir à la VOD, puis on va se retenter autre chose. Au revoir la VOD.